Le droit des femmes à l'information et à la communication au cœur d'un atelier. Une étude révèle que sur 490 journalistes professionnels, seules 86 femmes répondent à l'appel. Comment faire bouger les lignes pour plus de représentativité? Vous entendrez les initiateurs dans ce journal. Assure également le lancement de la campagne de remise de sacs aux producteurs d'anacarde, une initiative du Conseil du coton et de l'anacarde qui a eu lieu à Bouna, ville du nord-est de la Côte d'Ivoire. C'est une première dans le pays. À l'étranger, Catherine Samba Panza à la recherche de soutien, la présidente de la transition centrafricaine, est arrivée aujourd'hui à Brazzaville pour s'entretenir avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur dans le conflit centrafricain. Et puis, ce constat, le déclin du cinéma et du théâtre ivoirien. Quelles sont les raisons? Pourquoi les salles de cinéma peinent à se remplir? Qu'est-ce qui explique la désaffection du public pour les planches et le 7e art ivoirien? Autant de questions qui seront traitées dans ce journal par l'une de nos équipes. Et justement, pour nous aider à diagnostiquer les maux dont souffre le théâtre et le cinéma en Côte d'Ivoire, la célèbre comédienne Marie-Louise Hacheux sera notre invitée. Marie-Louise, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. On vous retrouve dans une trentaine de minutes pour décrypter ce sujet. Ce sera dans la page culture. Mais tout d'abord, cet hommage de la nation ivoirienne au professeur Aké Assi, décédé le 14 janvier dernier, le botaniste a été conduit ce samedi à sa dernière demeure. Avant l'ultime séparation, un hommage a été rendu à celui qui a eu le mérite de se faire appeler le génie de la forêt à travers des honneurs militaires brûlants. Dernière escale sur terre du professeur Aké Assi Laurent, la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, loin du jardin botanique de l'université Félix-Houphouët Boigny de Cocody, qu'il a créé et gardé des mains de maître. L'enseignant-chercheur n'est donc pas ici pour dispenser sa parfaite connaissance des plantes. D'ailleurs, le décor montre bien que le botaniste que tous appelaient le génie de la forêt a tiré sa révérence. Laurent Aké Assi est donc dans ces lieux saints pour solliciter des siens la prière pour le repos de son âme. À la tâche, un collège de prêtres, sa famille, le monde universitaire, de nombreux amis et connaissances. Tous soulignent les dimensions sociales, religieuses et intellectuelles du disparu. Avec eux, l'État pour rendre à Laurent l'ultime hommage dû à son rang d'officier de l'ordre national. Les honneurs militaires sont exécutés par une compagnie de deux unités placées sous le commandement du capitaine Jean-Pierre Koulibaly. Vient enfin la remise du drapeau de la Côte d'Ivoire à la famille du disparu, signe que Laurent Aké Assi aura consacré sa vie sur terre au service de la nation. Adieu professeur, adieu le botaniste, adieu le génie de la forêt, adieu. L'Institut national Félix Houphouët Boigny de Yamoussoukro retrouve ses lettres de noblesse, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'intérêt que les pays étrangers accordent à l'institution. Le Niger entend envoyer nombre de ses cadres en formation à l'INPHB, un partenariat pour l'instruction de ces techniciens nigériens a même été signé. La formation concerne le domaine du pétrole. Le point avec Marie-Laure Ngoura. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët Boigny de Yamoussoukro va former des cadres nigériens dans le domaine du pétrole. Le potentiel des ressources pétrolières de l'INPHB intéresse la République du Niger. Une mission est donc en Côte d'Ivoire pour formaliser le partenariat entre les ministères de l'enseignement supérieur des deux pays, à savoir la Côte d'Ivoire et le Niger. C'est vrai que nous avons beaucoup aussi de filières technologiques et scientifiques en année. Mais au niveau de la formation supérieure, nous voudrons très bien, dans le cadre de cette convention, en quoi former plus. Parce que vous savez très bien que le problème de toute l'Afrique, ce n'est pas seulement du Niger et de la Côte d'Ivoire. Et si on ne mutualise pas, on fait tous face à un problème d'encadrement. C'est une grande confiance qui nous est faite, nous, à la Côte d'Ivoire, à travers l'INPHB, de considérer que malgré les infrastructures qui existent, malgré les grandes écoles qui existent au Niger, que le Niger recherche un plus
à l'INPHB, c'est une grande marque de confiance. Les cadres nigériens seront formés à l'école supérieure des mines et de géologie à l'INPHB. Les étudiants du Niger qui viendront à l'INPHB bénéficieront du même type de formation que leurs homologues de Côte d'Ivoire, mais ils seront recrutés dans toutes les écoles de l'INPHB maintenant. Au début, c'est l'école supérieure de mines et de géologie que nous accueillons ces étudiants du Niger. Mais avec cet accord, nous allons élargir le champ de recrutement à toutes les écoles. La délégation nigérienne, conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, a pu visiter les locaux de l'Institut qui va accueillir les cadres nigériens. Pour le ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette formation des cadres nigériens à l'INPHB est le signe du renouveau de l'Institut qui retrouve ainsi ses lettres de noblesse. Quelle mobilisation de tous pour la réussite de l'école ivoirienne, voilà le principal centre d'intérêt de la rencontre entre la direction régionale Abidjan 3 de l'éducation nationale et les journalistes. Le point presse a eu lieu hier à Azito, le compte rendu de Patricia Omoetia. Une plateforme commune pour la mobilisation de tous pour une école de réussite. Projet qui a parfaitement abouti, si l'on en juge par l'engagement de la direction régionale Abidjan 3 au thème d'une tournée effectuée dans plus d'une soixantaine d'établissements privés et publics. Nous sommes fiers souvent de dire que nous sommes dans le peloton de tête des drains de Côte d'Ivoire compte tenu de la masse d'enfants que nous gérons et surtout du niveau de performance que nous atteignons souvent dans certains de nos établissements. Avec le concours des services techniques, l'antenne de la pédagogie, les secrétaires généraux, la direction de l'information et de l'orientation, le directeur régional indique avoir atteint certains objectifs, notamment les réformes des examens en cours et la lutte contre la fraude. La fraude, comme la mafia, a souvent des ramifications terribles et même il y a des collègues qui sont impliqués souvent dans la fraude. Donc, c'est une lutte de longue haleine, mais il faut y croire. La gestion de l'école ne saurait être l'affaire des seuls enseignants. Il faut agir également au niveau de l'environnement social des élèves pour espérer avoir de meilleurs résultats, recommande Dimondi Sandé Félix, directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique à Abidjan 3. Des prises en charge scolaires d'un montant global de 70 millions de francs CFA ont été offertes aux élèves et étudiants de la capitale politique ivoirienne. Pour le gouverneur du district de Yamoussoukro, Thiam Augustin, ce geste a pour but surtout d'aider les parents démunis. Brahima Doumbia. Plusieurs jeunes mettent fin à leur cursus scolaire faute de moyens financiers. Pour pallier ce problème, le district autonome de Yamoussoukro a apporté son appui à 1100 élèves et étudiants en leur octroyant des bons de prise en charge scolaire et universitaire d'une valeur de 70 millions de francs CFA. Le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Dr Augustin Thiam, a demandé aux élèves et étudiants de se mettre au travail et d'abandonner le goût de la facilité. S'adressant aux parents d'élèves et au personnel d'encadrement, le gouverneur Thiam leur a demandé d'encadrer les élèves afin que ceux-ci relèvent les défis du développement de la Côte d'Ivoire. La plus grande gratitude dont peut faire un enfant vis-à-vis de son père ou de sa mère, c'est de réussir dans ses études. Les parents se sacrifient pour que nous réussissions. Je demande aux enfants de respecter leur maître, de respecter leur éducateur, de respecter les établissements dans lesquels ils travaillent. Élèves, étudiants, parents et enseignants ont tous loué l'initiative du gouverneur de Yamoussoukro et ont promis de faire de la Cité des Lacs un pôle d'excellence dans le domaine de l'éducation nationale. Dans les tout prochains jours, des meubles de bureau, des fournitures scolaires et des tables-bancs seront remis aux établissements par le gouverneur pour améliorer les conditions de travail et accroître les résultats scolaires dans le district de Yamoussoukro. Et cet atelier qui s'est tenu hier et avant-hier ici à Abidjan, il a été question de droit des femmes à l'information et à la communication. Une œuvre de l'Institut Panos Afrique qui a bénéficié du soutien du REPMASI et de l'UNESCO. Au terme des travaux, on retiendra qu'une étude révèle que sur 490 journalistes professionnels, seules 86 femmes répondent à l'appel. Même son déclenche dans le répertoire des professionnels des médias, 56 femmes sur 289. Les organisateurs de cette rencontre entendent à faire bouger les lignes afin que les femmes dans les médias soient plus représentatives. Sur 490 journalistes professionnels,
On ne dénombre que 86 femmes et sur 289 professionnels des médias, on n'en compte que 56. Pour pallier cette insuffisance de femmes dans les médias, l'Institut Panes Afrique de l'Ouest, le RACMASI et l'UNESCO initient une réflexion sur cette question du genre. 75% des femmes en Côte d'Ivoire rurale sont au-dessous du seuil de la pauvreté. C'est vrai pour l'accès à l'emploi, c'est vrai pour l'éducation. 36% des femmes sont éduquées en Côte d'Ivoire. La question ici, c'est de savoir quels sont les droits des femmes qui méritent d'être les plus connues, les plus enseignées, parce que souvent les femmes ne connaissent pas leurs droits, et finalement respectées. Cet atelier est organisé donc pour que des solutions soient trouvées, pour que les femmes soient prises en compte, surtout au niveau des médias. Garantir les droits et besoins spécifiques des femmes à être informées et entendues, le thème de cet atelier animé par Agnès Crédy. Plusieurs études menées en Côte d'Ivoire font état de la non-représentativité des femmes dans plusieurs secteurs de la vie publique, notamment celui des médias. Au sortir donc de cet atelier, les conférenciers ont fait plusieurs propositions pour booster l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans les entreprises de presse. On ne traite pas les formations en tenant compte des spécificités des femmes ou des besoins des femmes ou des hommes. Nous éduquons tous à prendre en compte donc le genre, créer les conditions pour que les rédactions, à travers les formations justement, intègrent le genre, mais aussi inviter les femmes en tant que source d'information à s'exprimer et à parler. Plusieurs thèmes feront l'objet de débats au cours de ce forum qui va durer 2 jours. Le département de Vavois, appartenant à l'ex-zone CNO lors de la crise ivoirienne, a retrouvé aujourd'hui la normalité et l'autorité de l'État. L'administration fonctionne grâce au retour des fonctionnaires, mais que de problèmes pour accueillir ses agents. Par exemple, les préfectures, les sous-préfectures et les logements des autorités préfectorales ont besoin d'une réhabilitation en profondeur. Le constat de Jeanne Atoué. Le drapeau de Côte d'Ivoire flottant fièrement sur un mât au milieu d'une immense cour. Nous sommes à Vavois. Bienvenue dans l'enceinte de la préfecture. Ici, un ancien magasin a été aménagé pour y loger le bureau du préfet et celui des autres personnels de la préfecture. Le bâtiment originel a été détruit à la faveur de la crise post-électorale. La bêtise humaine a étalé son manteau jusqu'à la résidence du sous-préfet. Ce qui reste du saccage offre l'image d'un bâtiment désaffecté et comble de cette bêtise l'incendie des bureaux de la sous-préfecture. Malgré la relocalisation des bureaux et services, il est toujours difficile de travailler faute de mobilier et équipement, avec certains matériels de travail encore sommaires. On a un problème de bâtiment. Nous sommes entassés dans des bureaux. Le sous-préfet même confondu aux autres agents, les régies sont couchées par terre, poussiéreux, parce qu'on ne sait nulle part où il faut les disposer. Je souhaiterais que les structures qui sont commises pour pouvoir réhabiliter les bâtiments des autorités de Vavois le fassent le plus rapidement possible, parce que non seulement on n'a pas de véhicule pour travailler, ça c'est autre chose, mais n'ayant pas de bâtiment pour pouvoir travailler, ça serait quand même assez difficile. Des réalités découvertes par le nouveau sous-préfet de Vavois qui arrive à la tête de cette circonscription administrative dans un contexte de restauration du pouvoir de l'État et de recherche de la cohésion intercommunautaire. Kone Vakaba a rappelé au cours d'une rencontre avec la population l'intérêt et la nécessité d'aller à la réconciliation et cultiver la paix. Il veut compter sur la chefferie traditionnelle, laquelle a été appelée à prendre ses responsabilités et avoir une plus grande conscience de ses rôles et missions. Avant d'envoyer une affaire chez le sous-préfet, c'est que cette affaire a dépassé la compétence du chef. Mais un chef de village qui, pour un oui, pour un non, envoie tout sa problème chez le sous-préfet, c'est ce chef de village, il est incompétent. C'est qu'il est incompétent. Vavois est un vaste département où la sous-préfecture centrale compte 52 villages. Dans cette partie de la Côte d'Ivoire, les problèmes de développement sont énormes. L'accès à l'eau potable, l'électrification des villages et la réhabilitation des routes restent une préoccupation majeure. J'en viens au lancement de la campagne de remise de sacs aux producteurs d'anacarde, une initiative du Conseil du coton et de l'anacarde qui a eu lieu à Bouna, ville du nord-est de la Côte d'Ivoire, une première dans le pays. Ces sacs devraient permettre d'améliorer la qualité des produits exportés. C'était en présence des autorités administratives, les précisions de Mamadou Kouassi.
Des sacs remis aux producteurs de la région de Bunkani pour mieux conserver et transporter la noix de cajou. Une première dans l'histoire de cette filière. L'expression de la volonté du gouvernement à travers le conseil coton en Acadie à rendre professionnel ce secteur. 40% de la qualité est liée au pratiques post-récolte. Et très souvent, les producteurs n'ont pas les sacs appropriés. L'anacarde, c'est un produit qui est vivant, qui respire, qui échange la température avec les céréales. Donc, il a besoin des sacs en jute pour pouvoir vraiment échanger la température et puis être resté pendant longtemps avec les mêmes qualités. Un geste salué par l'ensemble des producteurs. Nous sommes très, très reconnaissants pour le président de la République qui a vraiment pensé aux paysans cette année. Ça fait des dépenses. Travail, après on s'en va payer les sacs encore et puis les mauvais sacs aussi. C'est des sacs nylon qu'on met dedans. Souvent à un mois, le produit commence à devenir noir. Cette phase va s'étendre à toutes les zones productrices de la Nakade. Selon les responsables du conseil coton en Nakade, le choix de Bunkani s'explique par sa meilleure qualité de noix de cajou. Ils ont aussi rassuré les acteurs de la filière de l'engagement du chef de l'État, Alassane Ouattara, et de son gouvernement à appliquer la nouvelle réforme pour leur bien-être. Le président de la République, il a été très clair. Il dit qu'il faut que 60% du prix CAF au moins revienne aux producteurs. Nous attendons que le gouvernement fixe les prix et nous allons tout faire pour pouvoir préserver ces prix-là. Comme à Bondoukou, les membres du conseil coton en Acadie ont invité les producteurs au cours des entretiens à s'intéresser également à la culture du coton avec les nouvelles variétés et les offres du marché mondial. Les acheteurs et pisteurs ont reçu une formation sur les techniques d'achat de l'anacarde pour assurer son développement. Bouna dispose d'une unité de transformation locale de l'anacarde. Et dans le cadre de son programme d'aide à la population, le conseil régional des Grands Ponts a remis des machines à broyer d'une valeur de 19 millions de francs CFA aux populations de Dabou, de Jacquesville et de Grand Laou. Le témoignage de Patricia Omouetia. 12 broyeuses, c'est le don offert par le conseil régional des Grands Ponts aux populations de Dabou, de Jacquesville et de Grand Laou. Il s'agit pour le conseil régional de résoudre le déficit en matière d'autosuffisance alimentaire. Nous entendons avec les organismes d'État appropriés, de recherche scientifique, travailler afin de relancer le plan manioc dans les Grands Ponts avec le programme des Nations Unies pour le développement. Le problème de l'autosuffisance alimentaire, le problème de la filière manioc, c'est essentiellement nos sœurs, nos femmes, nos mères dans les villages qui vivent ce problème. Nous avons toujours dit que nous allions nous appesantir sur le problème des femmes en la matière. Le président du conseil régional invite les bénéficiaires à en faire bon usage. Un message bien perçu par les populations, des pas de danse donc, pour exprimer leur reconnaissance au président du conseil régional. Depuis que nous sommes à Dabou, nous n'avons jamais bénéficié. C'est aujourd'hui que nous venons de recevoir ces machines-là. Ça nous va droit au cœur. Que le conseil ne s'inquiète pas, parce qu'on va bien s'occuper de la débrouille. C'est à 3 km, donc ils peuvent à tout moment nous faire la surprise et ils verront qu'on utilise la machine correctement. D'une valeur de plus de 19 millions de francs CFA, les broyeuses multifonctions et polyvalentes sont, selon Gabriel Haye, le début des actes concrets du conseil régional. Notons que déjà, dans la matinée, le conseil s'était réuni en session extraordinaire, la première de l'année 2014. Une centaine d'enfants drépanocytaires ont été soulagés ce matin. Ils ont reçu des médicaments pour évidemment atténuer leur douleur, un don de l'association des ressortissants de la commune de Marcory, vivant aux États-Unis en partenariat avec l'ONG Lanaya International. Grace Kando. La drépanocytose, une maladie du sang due à la déformation des globules rouges. Elle occasionne des douleurs atroces chez le malade et diminue ses capacités physiques. Quand je vois mes camarades jouer, je veux jouer. Si je joue, je vais tomber malade. Mes parents vont dépenser. Quand je vois la situation de mes parents, j'ai pas envie de jouer. Selon les spécialistes, en Côte d'Ivoire, 16 personnes sur 100 sont drépanocytaires. Parmi elles, de nombreux enfants en attente d'aide. Aide qu'ils reçoivent ce jour de l'association des ressortissants de Marcory vivant aux États-Unis à travers ce don de médicaments. On s'est rendu compte que la drépanocytose quand même était une maladie qui affectait pas mal de personnes. D'abord, même dans notre association, il y a des membres que les enfants malades de la drépanocytose. Sans faire de favoritisme, on a choisi comme ça. Les enfants, même des membres, ne sont pas là. On a juste voulu aider les enfants qui souffrent. Puisqu'on nous a dit que
La plupart des enfants atteints de la dépendance ont leurs parents. Leurs parents sont démunis. J'ai 4 enfants drépanocytaires. 2 fois, on n'a pas les moyens. Donc, les enfants sont toujours malades. 2 fois, tous les 4 sont malades. Bon, ce matin, on est venu pour nous remettre des lots. Vraiment, je suis très contente. L'initiative est également saluée par le service hématologie du CHU de Yopougon. Il émet tout de même des préoccupations. Ce qui serait souhaitable, c'est qu'il y ait vraiment une subvention assez importante pour que nos patients en dépendance en crise puissent être soignés de façon plus efficace et plus efficiente. Avant ce don de médicaments aux drépanocytaires, l'Association des ressortissants de Macori vivant aux États-Unis a déjà assisté plusieurs structures sanitaires. En bref et en image, le militant du Rassemblement des Républicains de Thiébissou, qui sont dans une joie indescriptible, à en croire notre reporter Patricia Omoetia qui s'est rendue sur les lieux, une joie issue du fait qu'ils ont reçu un siège à flambant neuf, comme vous le voyez sur ces images. Le siège du parti a été rénové, il a été reçu donc des mains de leur délégué départemental, Bamba Lanciné, qui les a incités à plus de mobilisation pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. À l'étranger, Catherine Samba-Panza, à la recherche de soutien, la présidente de la transition centrafricaine, est arrivée aujourd'hui à Brazzaville pour s'entretenir avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur dans le conflit centrafricain. Une visite qui intervient à la veille de la nouvelle tournée dans la région du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, attendu demain au Tchad. Reportage. C'est sa première visite à l'étranger depuis son élection à la tête de la République centrafricaine. Catherine Samba-Panza est arrivée ce samedi à Brazzaville, au Congo. C'est le président Denis Sassou Nguesso, le médiateur dans la crise centrafricaine, qui est venu l'accueillir à l'aéroport. Pour la présidente de transition centrafricaine, la situation demeure extrêmement difficile dans son pays. Je suis arrivée il y a 15 jours. Depuis 15 jours, on ne peut pas faire de miracle. Même si on a la volonté déterminée d'y arriver. C'est pour ça que je compte énormément sur mes aînés de la sous-région. Le Congo a perdu plusieurs soldats en Centrafrique depuis le déclenchement de la crise. Son président Denis Sassou Nguesso fait partie des aînés de l'Afrique centrale, sur qui Catherine Samba-Panza compte. C'est aussi le cas du Tchadien Idriss Déby Itno, dont le pays vient d'accueillir 205 ex-rebelles Séléka. Ces ex-combattants sont actuellement cantonnés à Doba dans le sud du Tchad. Ils sont arrivés avec 300 armes de gros calibre, des milliers de munitions et 23 véhicules pick-up. Un impressionnant arsenal de guerre qu'ils ont remis aux autorités tchadiennes. On est des frères avec les Tchadiens. On ne peut pas laisser nos armes ravies par les Français. Et nous ne voulons pas que la France se mêle dans notre problème. Pour aider la présidente de transition centrafricaine dans sa mission, le gouvernement tchadien devra donc commencer par renforcer le dispositif de surveillance autour de ces 205 ex-rebelles qui se sont mis au vert à Doba. Cela est d'autant plus important que ces ex-Séléka constituent toujours une vraie menace pour la stabilité de la République centrafricaine. Ils appellent leurs frères d'armes restés au pays à poursuivre les combats. Le reste de l'actualité internationale en bref et en image, on se rend d'abord en Bosnie où il y a encore eu des violences. La Bosnie s'est réveillée samedi sous le choc avec des ruines fumantes de bâtiments officiels au lendemain d'émeutes contre la pauvreté dans plusieurs villes du pays. Le calme est revenu dans ce pays de près de 4 millions d'habitants et notamment à Sarajevo, 20 ans après une guerre traumatisante pour la population. Le mouvement est parti de Tulsa, la plus importante ville industrielle de Bosnie, où des milliers de personnes ont été ruinées à la suite de processus de privatisation. Un passager de nationalité ukrainienne a tenté vendredi soir de détourner sur Sotchi un avion turc de la compagnie Pegasus reliant Kharkiv en Ukraine à Istanbul en pénétrant dans la cabine de pilotage. L'homme doit être déféré devant un tribunal qui doit décider de sa détention et connaître ses motivations. Les 110 passagers ont été évacués sans problème à Istanbul. Seul le pirate de l'air a été légèrement blessé. Quelques instants seulement après ses avocats, Cristina, 48 ans, l'infante d'Espagne, fille du roi Juan Carlos, s'est rendue au tribunal de Palma sur l'île de Majorque pour être entendue par un juge qui la soupçonne de fraude fiscale. C'est dans cette salle que son mari Iñaki Urdangarin a été mis en examen dans la même affaire. Très critiquée, la maison royale, après plusieurs scandales, a écarté Cristina et son époux de tout acte de financement officiel depuis 2011.
Hier a eu lieu à l'hôtel Ivoire Sofitel d'Abidjan l'élection de Miss District 2014. La cérémonie a été riche en couleurs. Les images. Numéro 7. Un visage angélique malgré l'émotion et désormais un nom. Trabi Yasmina Aminata est désormais la Miss District 2013. Elle succède à Akaren Victoire, doublement sacrée Miss District et Miss Intégration en 2012. La couronne de Miss District 2014, Mademoiselle Trabi Yassi. 26 au départ, 13 après la première manche et 3 sur le podium et même 4. Kwaolinda Christiane, candidate à numéro 19, a été élue Miss Intégration. Mais ce ne fut pas facile pour le Quatuor. Il a fallu passer par la très attendue phase des présentations individuelles. De nature, je suis une personne calme, respectueuse, vertueuse. Cependant, mon plus grand défaut est d'être rancunière. J'espère que... Couronnée Miss District International 2013, la candidate numéro 16, Trabi Yasmina Aminata, est l'heureuse bénéficiaire de 3 millions de francs CFA offerts par le district d'Abidjan. Une belle fête qui s'achève, mais une nouvelle aventure pleine de promesses qui commence pour Miss Trabi Yasmina Aminata. Merci à tous. À présent, la page culture. Bienvenue dans la page culture. Une œuvre littéraire entend prendre le haut-parleur pour fustiger les violences faites aux femmes. Je vous propose de découvrir Le couteau brûlant, un témoignage inédit sur l'excision. L'œuvre a été présentée au grand public. Franck Audio. Le couteau brûlant, l'œuvre de Ami Traoré, où s'entremêlent douleur et frustration, relate le témoignage poignant d'une jeune fille qui a été excisée à l'âge de 8 ans, comme 38% de femmes ivoiriennes. Cette fillette de 8 ans, c'est l'auteur elle-même qui raconte son histoire, avec cette œuvre en mettant fin à plusieurs années de souffrances ravalées. En tant qu'une survivante des mutilations génitales féminines, partager mon témoignage à travers ce livre et en même temps susciter des discussions publiques autour de la problématique de l'excision en Côte d'Ivoire. Combien de mères ont accepté d'exciser leurs filles et elles-mêmes victimes de cette pratique aux conséquences atroces le regrettent aujourd'hui. La transition de la jeune fille à la femme s'est faite douloureusement pour près de 140 000 femmes tous les ans en Côte d'Ivoire. Pour endiguer le fléau, les apprenantes du lycée de jeunes filles de Yopougon sensibilisent à travers une représentation théâtrale. Tu connais la tradition ? Tradition, tradition, que me raconte-t-il, ma belle, c'est de ma fille dont il est question. Ami Traoré, écrivaine engagée dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, invite ici les auteurs de l'excision à déposer lame et couteau et à respecter les droits humains à travers cette œuvre de 68 pages. L'art pour la paix, un vernissage, prélude à une exposition organisée par la délégation permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO à Paris. L'idée, selon les initiateurs, est de montrer que l'artiste peut être un témoin privilégié de son temps et l'art contemporain se pose comme un vecteur de choix. Les explications de Franck Audio. Le hall Ségur, au siège de l'UNESCO à Paris, transformé en galerie d'art, le temps d'une exposition. C'est un forum qui, justement, va nous permettre de réfléchir sur la question de l'art et de la paix, de la contribution de l'art... En période de guerre, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que l'artiste, quelle est sa position, quelle est sa participation, comment il se voit, est-ce qu'il suit le mouvement, est-ce qu'il dénonce. L'art pour la paix, c'est une aventure artistique qui a son sens. L'artiste, un acteur social qui devrait jouer son rôle. Cette exposition d'œuvres diverses, d'artistes d'origines différentes, instaure par sa diversité un dialogue et une invitation à la paix. Ils sont une quinzaine d'artistes venus de tout horizon
faire parler de paix à leur création artistique lors de ce rendez-vous culturel qui, notons-le, a pris fin ce 7 février après 5 jours d'exposition. C'est l'un des rendez-vous par excellence qui met en exergue les richesses culturelles du patrimoine ivoirien. Le lancement du Popo Carnaval vient d'avoir lieu, le compte-rendu de Doigt des Lasers. Popo Carnaval, événement artistique et socioculturel de Bonoa, a lieu chaque année. Le lancement officiel du rendez-vous de 2014 a réuni sur la plage du village de Kodioboué, cadres, autorités politiques, chefs coutumiers et guides religieux, mobilisés pour la réussite de la fête. Nous allons utiliser les richesses du terroir. Mais regardez Kodioboué. Qu'y a-t-il de différent avec la fameuse Côte d'Azur? Regardez, l'eau. Le tourisme compte pour beaucoup dans le projet Bonoa Ville Nouvelle, mais surtout nous baser sur la culture comme socle du développement. Le président du conseil régional du Sud Koumoué, Aka Awele, a saisi cette occasion pour exhorter les populations de Bonoa à faire du Popo Carnaval le socle de la paix et de la réconciliation dans la région. Il s'agit donc d'exploiter opportunément l'organisation de ce Popo Carnaval, véritable cadre privilégié de rencontres culturelles et artistiques de la jeunesse en cette période de réconciliation, pour contribuer premièrement au processus de réconciliation nationale, au processus de recherche de la paix et de reconstruction post-crise. En attendant le début des festivités fixées à la date du 21 avril au 3 mai 2014, un avant-goût du Popo Carnaval a été donné aux invités. Danielle Almima est une danseuse chorégraphe israélienne venue en Côte d'Ivoire à l'invitation des acteurs culturels de la place pour partager son expérience de la scène avec les créateurs locaux. Elle a partagé son expérience donc le mercredi dernier avec le public abidjanais, un récital chorégraphe, le point de Franck Wadio. Une soliste de la scène en attraction et un spectacle, le tunnel. Décor sobre et plein. Présence scénique forte assurée par Danielle Almouna. L'artiste vient d'Israël, tout de noir vêtu, le noir saupoudré de rouge. Elle alterne la passion, la vie, la mort, la renaissance, de quoi donner le tournis. Et une danse du ventre aux ondulations de méduse sur fond musical, extrait du terroir israélien au senteur de mer morte. Une sorte de rythme salé-sucré. Seule sur scène, mais pluraliste dans le style, Danielle Almouna a créé sa tendance. Une chorégraphie appelée Tazrimin, sorte de fusion Orient-Occident, une danse du monde qu'elle présente à travers la planète. Je vous en parlais en début de journal, ce constat, le déclin du cinéma et du théâtre ivoirien, quelles sont les raisons? Pourquoi les salles de cinéma peinent à se remplir? Qu'est-ce qui explique la désaffection du public pour les planches et le 7e art ivoirien? Autant de questions traitées tout à l'heure par l'une de nos équipes de reportage. Mais pour l'instant, nous avons sur notre plateau Marie-Louise Assuet qui va nous aider à diagnostiquer les maux dont souffrent le théâtre et le cinéma en Côte d'Ivoire. Marie-Louise Assuet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Elie. Est-ce que vous partagez ce constat déjà? Pas tout à fait. Pourquoi? Selon vous, le théâtre et le cinéma ivoirien ne sont pas dans une phase de déclin? On peut le dire. Hein. Autant on peut dire que le cinéma et le théâtre en ce moment traversent une période difficile, mais je dis, c'est au rythme du pays. Il y a plusieurs secteurs d'activité qui traversent ces périodes difficiles là aussi, parce que les pratiquants du théâtre font partie de la société. Et le théâtre est un corps de métier où le cinéma sont des corps de métier qui participent également du développement d'une nation. Et donc, si la nation a des difficultés, il va sans dire que les acteurs de ce secteur également qui vivent dans cette société
subissent également les affres de cette difficulté, j'en veux de dire nationale. Donc, on ne peut pas jeter tout de suite la pierre à l'art, simplement. Il y eut un bon bout de temps où on disait le théâtre se meurt par-ci, le cinéma se meurt par-là, mais les pratiquants existent. Marie-Louise est là, Dylan Couton, Guédéba Martin, je veux dire, on a les acteurs, on a les techniciens, on a les scénaristes, on a tout ce qu'il faut pour faire bouger notre art. Ce qui nous manque, ce sont les moyens, et c'est pas la première fois qu'on le dit. Vous avez tout ce qu'il faut, justement, vous l'avez dit tout à l'heure, mm-hmm. pour faire humainement. Booster, humainement, oui. Hein, pour booster le théâtre et le cinéma en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui explique que les salles de cinéma sont vides, par exemple? J'ai envie de dire, il y a déjà combien de salles de cinéma? Il y en a pas beaucoup. Mais justement, le peu qu'il y a doivent être remplis. Oui, mais comme je l'ai dit, les difficultés font que il n'y a pas beaucoup de production non plus. Il n'y a pas beaucoup de production. Les productions locales ne sont pas souvent accompagnées. Quand vous parlez d'accompagner, vous pensez à quoi? Ben, je pense à des subventions, bien entendu. Je pense à des subventions. En Côte d'Ivoire, malheureusement, on a l'impression que justement que vous, artistes et comédiens, attendez tout de l'État, du gouvernement. Pourquoi? Pourquoi ne pas compter sur soi-même? Compter sur soi-même, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quand je regarde, j'ai regardé le journal tout à l'heure. Plusieurs secteurs d'activité sont passés et nombreux sont ces responsables-là qui chaque fois disent, nous disons merci au président de la République d'avoir pensé à nous. Mais si on peut penser à Pierre ou à Paul, on pense à un produit X, on peut penser également à l'art. Et vous savez quoi? Si le métier des arts en Côte d'Ivoire est subventionné, soutenu, étant soit peu, je veux dire, de façon effective, pendant ne serait-ce qu'une dizaine d'années, les choses vont changer. Je veux aussi souhaiter, à la limite, un souhait que j'aimais, c'est un vœu, mais qui demeure pas moins un droit d'artiste, le droit sur la copie privée, c'est une loi universelle, c'est un droit universel pour tous les artistes. Si il s'avère qu'en Côte d'Ivoire, un jour, on a la possibilité de bénéficier de cette copie privée, effectivement, beaucoup de choses également pourront se faire, parce que c'est pas les 1000 francs, c'est pas les 100 000 francs que recherche Marie-Louise, mais c'est plusieurs milliards qui vont permettre à notre secteur d'activité d'avoir ne serait-ce qu'un baume en son sein. On a bien compris votre appel que vous lancez aux autorités, Marie-Louise Assieux, même s'il a été quelque peu voilé. Je vous invite à suivre ce constat, puisque vous semblez ne pas être d'accord avec le constat qui fait état du déclin du cinéma et du théâtre en Côte d'Ivoire. Je vous invite à suivre donc ce reportage, à travers lequel on nous montre justement les maux dont souffre le théâtre et le cinéma ivoirien. Une pièce de théâtre face à un public moyen. Nous sommes en 2014. Cette représentation est un symbole. Depuis la fin de l'année 2013, le théâtre semble vouloir sortir de sa léthargie. La joie de retrouver les planches et de voir que les Ivoiriens n'ont pas laissé le théâtre tomber comme on le fait croire. J'ai été très heureux de savoir que des gens se déplacent tous les jours pour venir nous voir. J'espère que le Seigneur Tout-Puissant mettra sa main sur le théâtre en Côte d'Ivoire. Le théâtre ivoirien, parti du théâtre dit indigène de William Ponty, incarné par la génération Dadier au lendemain des indépendances, il s'enrichit au fil du temps de divers courants. Et le théâtre dit populaire semble en être le plus florissant, surtout avant les années 90. 10 années après, le théâtre se veut rituel avec plus d'allant esthétique et intellectuel. La piraterie des œuvres de l'esprit, malheureusement, entre en scène de façon accrue. Le théâtre à représenter se mue en théâtre à projeter. Il glisse davantage vers le 7e art, des planches vers le petit écran donc. Les puristes sont désemparés, les acteurs décontenancés. Destin similaire pour le cinéma, le 7e art a connu ses monstres sacrés et plusieurs jeunes loups, acteurs d'hier, se sont mués en producteurs ou réalisateurs, souvent sans la formation requise selon les uns ou sans moyens adéquats au dire des autres. Une chose est cependant certaine, le théâtre et le cinéma ivoirien sont depuis une vingtaine d'années dans le creux de la vague.
La tutelle et les opérateurs du secteur multiplient les scénarios. Ils semblent ne pas avoir encore trouvé le bon metteur en scène. Marie-Louise Asso, nous venons ensemble de suivre le triste tableau de la situation du théâtre et du cinéma en Côte d'Ivoire. On aura certainement d'autres occasions d'aborder les actions pour donner une seconde vie au théâtre et au cinéma ivoirien. Nous sommes pris par le temps, nous devons fermer ce journal. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Avant de refermer la porte de ce journal, je vous propose d'aller à la découverte d'un autre genre musical, la salsa, qui a des adeptes à Abidjan. Reportage. Pour danser la salsa, pas besoin de grands espaces. Pico la blondeya, les jambes agiles sur la piste. Et Tony Taé, nouveau porte-flambeau du rythme venu de Cuba au micro. Un cocktail détonnant. Une rencontre avec la presse pour parler de salsa. Et l'un de ses puristes les plus avertis, Baye Blaziri Camille à BBC, le précise, la salsa fait partie des musiques afro-cubaines, un rythme d'ailleurs venu du continent. La musique afro-cubaine est essentiellement une musique d'origine négro-africaine. Ça veut dire que c'est une musique métisse, un mélange de musique africaine, mais aussi de musique occidentale. Les musiciens cubains eux-mêmes disent, quand vous leur dites « on va prendre ce que vous faites pour amener ça chez nous », ils disent non. Même si c'est un juste retour des choses, c'est nous qui devons faire comme vous. Parce que la musique là vient de chez nous. La salsa venue d'Afrique. Tony Taé, fils de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, veut en être le digne ambassadeur. Récent nominé en 2012 au Salsa Magazine Awards, événement culturel du premier plan à New York aux États-Unis. Tony Taé prône une musique salsa saupoudrée de langue africaine, le guéri sa langue maternelle et même le yoruba. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.